Donc, nous serons deux aujourd'hui pour cette présentation, Grégory et moi. Donc, Grégory, vraiment sur la partie technique, support et service. À savoir que Grégory est la personne qui gère à la fois le support et donc tout ce qui sera équipe sur la partie delivery, sur la partie service, notamment de management de l'EDR. Donc, ils sont vraiment deux équipes différentes, mais qui sont gérées par Grégory. Et de mon côté, plus sur la partie commerciale, je gère l'équipe de clients qui est en contact direct avec nos clients ou prospects. Donc, pour tout ce qui est besoin d'avant-vente, besoin de présentation de nos solutions. On va commencer par une rapide intro sur qui est Ezette pour les personnes qui ne seraient pas encore familières avec notre entité. Donc, Ezette, c'est une entité européenne dont le siège est en Slovaquie, à Bratislava. Et avec une forte expérience, puisque cela fait maintenant même presque plus près de 35 ans que de 30 qu'Ezette existe, avec un métier originel qui était celui de l'antivirus avec Note 32, et qui a évolué pour être aujourd'hui un fournisseur de solutions de sécurité de façon globale, intégrant différentes briques de sécurité, dont celle que l'on va voir aujourd'hui. Et à savoir que des chiffres comme IDC ou Gartner nous placent comme premier éditeur européen sur la vente notamment de solutions B2B sur la partie protection des endpoints. Donc, c'est pour nous un point important à rappeler, puisque cela nous replace comme un acteur majeur sur la partie cybersécu. Alors, ce slide rapide pour évoquer le fait que l'on a une présence aujourd'hui globale, avec donc un siège qui, comme je le disais, est en Slovaquie sur Bratislava, mais aussi donc une représentation dans chaque pays, ce qui nous permet d'avoir des échanges comme aujourd'hui en français, mais aussi surtout ce qui va vous intéresser en tant que client ou partenaire. C'est la possibilité d'avoir un support et des services qui sont eux aussi adressés en français. Et comme vous avez pu le voir si vous êtes utilisateur, une très grande majorité des documentations qui sont également traduites en français. Et le but est d'avoir donc un maillage assez global au niveau mondial. Et ce qui va être aussi important, on y fera écho plusieurs fois sur la présentation, la partie R&D, on a aujourd'hui 13 labos dans lesquels travaillent nos chercheurs en malware. Et ce sont ces chercheurs qui oriente aussi le développement de nos solutions. Et pour le coup, Ezette est un éditeur qui, sur la partie Threat Intelligence, est reconnu comme étant un des 5 plus grands acteurs au niveau mondial. En termes de référence, aujourd'hui, nous sommes capables d'adresser toute typologie de clients avec nos solutions, que l'on soit sur des clients d'ordre privé ou public. On pourra adresser aussi donc ces différents OS qui nous permet de travailler avec tout type de besoins. Et cela est un point important pour nous et c'est ce qui nous permet de travailler aujourd'hui avec des clients de toute taille également. Aujourd'hui en France, notre plus gros client, c'est la Gendarmerie nationale qui compte 90 000 machines protégées par nos solutions. Et pour finir sur Ezette, avant de passer à la partie produit, ce blog, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, dont je vous invite à noter le nom, We Live Security, qui est un blog sur lequel donc vous retrouverez des publications faites par les chercheurs en malware dont je parlais tout à l'heure. Certains articles sont d'ailleurs traduits en français. Donc, ce blog, il peut avoir un double intérêt. Il y a des articles qui sont très abordables pour des personnes n'étant pas issues du monde de l'informatique. Donc, si vous avez comme volonté de faire une introduction à l'IT, à la cybersécurité, de faire de la sensibilisation auprès de vos utilisateurs, vous pourrez retrouver des articles intéressants sur quel mot de passe utiliser, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des mots de passe complexes, comment avoir une navigation un peu plus saine sur Internet, etc. Donc, des choses très abordables. Et au contraire, si vous êtes, vous, du monde de la cyber et que vous voulez vous chercher à faire de la veille, il y a des articles très détaillés sur quelles sont les dernières attaques, quelles sont les techniques qui sont employées, quels sont éventuellement les groupes d'attaquants qui sont derrière. Et donc, un vrai travail de recherche qui est fait derrière, qui est documenté et qui est très intéressant pour qui veut s'intéresser à ces évolutions. Je vous invite vraiment à noter le nom. C'est un blog qui a été élu meilleur blog cybersécu il y a maintenant 2 ou 3 ans et qui est régulièrement plébiscité par pas mal de personnes et entités dans le milieu de la cyber. Donc on va switcher sur la partie produit. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. On essaiera de suivre le chat avec Grégory et sinon, on pourra y répondre également à la fin. Donc, pour rappel, nos solutions se basent notamment, si on parle de protection des endpoints, la base de notre protection, c'est la partie anti-malware. Donc, sur la partie anti-malware, on n'est plus sur un simple antivirus avec une base de signature, mais vraiment sur une solution avec déjà un premier maillage d'analyse et des analyses
qui vont intégrer de l'UI comportemental, notamment sur tout ce qui sera analyse au moment de l'exécution. Et on fait des analyses en pré-exécution, en exécution et en post-exécution. Le but étant d'avoir des analyses qui soient complémentaires pour adresser le plus grand nombre de problématiques possibles, le plus grand nombre de cas d'attaque possibles. Et une chose qui nous manquait aujourd'hui de façon complémentaire, et cela nous était remonté par pas mal d'utilisateurs, c'était la partie détection de vulnérabilité et patch management qui vraiment vient complètement compléter ce maillage qui était déjà existant sur la partie protection des endpoints. Donc c'est une solution que l'on va proposer au travers de trois bundles pour ceux qui seraient déjà utilisateurs de nos solutions. Les bundles Complete, Elite et MDR. Donc ça, ce sont des choix qui ont été faits au niveau de notre siège. Donc l'idée étant de proposer différents types de licences, tout simplement parce que chaque client est différent, chacun de vos besoins sera différent. Certains vont éventuellement vouloir de l'EDR sans patch, sans protection de la messagerie. Certains, au contraire, vont vouloir protéger de la messagerie sans avoir la partie EDR-XDR. Donc le but est d'avoir vraiment différents types de bundles pour tout simplement avoir différents types de tarification, ne pas forcer des produits de notre côté et de pouvoir répondre à différents types de besoins jusqu'au besoin le plus complet. La partie Protect MDR où on va intégrer à la fois à tous nos produits et les services qui sont proposés par l'équipe de Grégory sur la partie monitoring de notre EDR. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que l'on pourrait vous renvoyer après la présentation, cette explication de nos bundles pour le revoir à tête reposée. C'est aussi et surtout un point sur lequel je vous invite à vous rapprocher soit des équipes commerciales des Z, soit de vos partenaires revendeurs. Eux sont à même normalement de vous expliquer ces différents bundles, quels sont les éléments qui composent ces bundles, quels sont les types de produits qui sont débloqués et surtout quel est l'apport. C'est surtout là le but d'avoir cet échange, quel est l'apport des différents produits. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes équipes. Je vous laisserai aussi un mail qui permet de contacter nos équipes à la fin de la présentation et ça permettra de revenir donc sur des explications sur ces différentes licences. Et aujourd'hui, donc, on va faire un focus sur la partie donc scan de vulnérabilité, patch management, qui encore une fois donc sont dispo sur les trois bundles Complete, Elite et MDR. Donc sur la partie vulnérabilité et patch management, comme je le disais, c'est quelque chose qui nous était remonté depuis, je dirais de façon vraiment très forte et récurrente depuis au moins 2 ans. Sur pourquoi est-ce que les têtes ne proposeraient pas cela? Surtout pour ceux qui utilisent nos solutions depuis un petit moment, nos agents de communication avec la console permettaient déjà de remonter tout un inventaire applicatif avec du versionning. Et ce qui nous manquait aujourd'hui, donc, c'était la possibilité d'appuyer sur le fait que certains devait être mis à jour, d'avoir plus de visibilité et surtout de pouvoir le faire depuis la même interface, et ça c'est le point majeur, depuis l'interface que vous exploitez aujourd'hui sur la console pour la partie anti-malware. Et c'est justement ce que l'on va apporter. Donc c'était assez naturel, d'autant plus que KZ, comme je le disais, est un acteur majeur sur la partie Threat Intelligence, sur la partie découverte de vulnérabilités, recherche des nouvelles menaces, des nouveaux groupes d'attaquants, comment évoluent les attaques. Et EZ permet d'aider des consortiums comme Mitre Attack. Pour ceux qui ne le savent pas, donc la partie CVE est gérée par Mitre Attack, qui référence justement ces CVE et aussi toutes les différentes typologies des méthodologies d'attaque. Donc c'est assez intéressant d'aller voir leur site pour encore une fois qui s'intéresse à la cyber. Et EZ travaille directement avec des entités comme Mitre Attack et donc c'est assez naturel qu'aujourd'hui on intègre un apport pour nos clients au travers de nos solutions. Pourquoi avoir du scan de vulnérabilité? Je pense qu'aujourd'hui il n'y a personne à convaincre. C'est un point majeur pour anticiper les attaques. C'est avant tout là le but. Un peu comme on le fera avec l'EDR, on est sur un complément sur la partie anticipation, détection de failles. Et aujourd'hui, un chiffre qui est proposé, c'est grosso modo la moitié des attaques passent par des failles qui sont déjà répertoriées, des failles CVE. Donc si on les connaît, autant essayer de les combler. Donc grosso modo, le travail sur nos solutions se fera en 2 temps et Grégory vous le présentera juste après sur la partie démo. On a
deux nouveaux onglets sur la console d'administration, une partie scanner pour aller détecter les failles et une partie vraiment remédiation pour faire vraiment du patch et justement bloquer ces failles. Donc le premier but, ça va être vraiment de pouvoir vous apporter une visibilité complète sur les différents outils, sur les différents applicatifs, sur quelles sont les vulnérabilités sur votre parc, sur vos différentes machines. Et derrière, vous proposer la possibilité de faire des correctifs. Et surtout, le point majeur, et c'est là aussi une clé, c'est de faire de la simplicité et du gain de temps. Donc encore une fois, on va être sur la même interface que celle que vous connaissez déjà pour ceux qui utilisent déjà nos solutions, la même console d'administration. Et la possibilité principale, le but principal en termes de gain de temps, ça va être de pouvoir automatiser ces correctifs. Après, donc je pense que Grégory va le présenter, on a la possibilité de faire des choses assez granulaires, soit whitelist sur quelles sont les applications qu'on veut mettre à jour, ou au contraire faire des blacklists pour dire, ben voilà, tel type d'applicatif, c'est trop sensible, je veux gérer les mises à jour. Mais sinon, sur le reste, le but principal, ça va être d'automatiser des mises à jour pour avoir un gain de temps en même temps qu'un gain de sécurité. Et ça va être tout là le but de l'outil et ce que l'on va vouloir vous présenter aujourd'hui. Et je vais terminer cette introduction sur le fait que aujourd'hui, on a cette solution qui est complètement exploitable. Donc, pour qui voudrait la tester, que vous soyez utilisateur ou non, on peut complètement vous délivrer des licences de sécurité EZ qui permettent d'accéder à cette fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressé à tester et on pourra y revenir. Grégory, je te laisse la main. Eh bien, merci Nico. Du coup, tu as répondu à la question qui était arrivée de Laurent, qui a été poussé plusieurs fois. Donc, est-ce possible d'avoir ce nouveau service seul? Est-ce que ça, alors, ça répond à la question ou pas? Non, effectivement, pour être plus exhaustif, peut-être Laurent, je vous confirme que non, le service n'est pas possible de l'avoir en standalone sur n'importe laquelle des licences. Il y a trois bundles, comme je le disais, spécifiques qui donnent accès. Donc, je vous recollerai l'image dans le chat, comme ça vous aurez déjà une première visu. Et en termes de test, POC, oui, vous pouvez complètement tester la solution malgré tout. En fait, c'est juste d'avoir la bonne licence pour permettre d'avoir accès à la solution. Bah, merci Nicolas. Vous anticipez. Du coup, vous faites mon travail, parfait. C'est un autre Nicolas, donc c'est normal. Efficace. Est-ce qu'il y aura des conflits entre le patch management et une GPO, par exemple? Du coup, je vais commencer la presse et puis après je répondrai, mais il ne peut pas y avoir de conflit. C'est soit l'un, soit l'autre qui fera la mise à jour. Après, il faut être aussi cohérent par rapport à ce que vous faites sur la GPO. Si vous downgradez un applicatif et que derrière vous passez le gestion de correctif, bon, bah, forcément, vous allez avoir un décalage. Donc, il faut être aussi prudent. C'est pour ça que le scan va être très important dans cette partie-là. Et la question, est-ce que la solution est disponible dans la version EZ Protect On-Premise? Eh bien, là, comme vous avez pu le voir dans mon partage d'écran, on est sur la partie cloud. Elle n'est pas encore disponible sur la On-Premise. J'ai mis le mot « pas encore », puisqu'on n'a aucune visibilité aujourd'hui sur la roadmap pour le patch management sur la partie On-Premise. Mais aucune porte n'est fermée chez EZ, en tout cas. Donc, voilà, il y a peut-être des particularités pour la mettre sur on-premise, mais pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Donc, c'est pour ça que je suis sur la console cloud. Écoutez, on va commencer la démo. Et du coup, je vais quand même répondre à la question de Sarah, parce qu'on a le temps. Prévu pour la partie flotte mobile, vulnérabilité, système Android, iOS. C'est pareil. Aujourd'hui, on est vraiment que sur Windows. Voilà. On a une roadmap à moyen terme sur tout ce qui va être Linux et macOS. La partie Android iOS, pour l'instant, c'est pas encore dans la roadmap. Donc, ce sera plutôt dans ce temps-là. Aujourd'hui, Windows, à court moyen terme, Linux et macOS. Linux, Mac. La partie Android n'est pour le moment pas encore prévue. Voilà. Je suis connecté sur notre console Protect Cloud, hein, donc rien de d'alarmant pour le moment, sauf que là vous avez ces fameux deux onglets qui sont ici, donc les vulnérabilités et la gestion des correctifs. Sur mon côté droit de mon navigateur, vous voyez, j'ai mis la documentation
EZ, le aide en ligne, le LPZ qui regroupe toute la partie explication et aide à l'utilisateur. Donc, le but, hein, c'est vraiment de vous démontrer aussi, vous montrer que tout va être listé et tout est fait pour vous accompagner dans votre démarche et vous avez toutes les informations normalement nécessaires au bon fonctionnement de votre solution. Donc, la partie gestion des correctifs vulnérabilité, on a découpé les choses en deux gros éléments. Vous avez donc le scan de vulnérabilité, c'est-à-dire la partie du composant qui va scanner vos vulnérabilités et vous remonter les failles CVE et les alertes de sécurité. Et puis ensuite, vous avez la gestion des correctifs. Ici, c'est bien découpé dans la documentation. Vous avez bien la vulnérabilité gestion des correctifs. Dès le début, je réponds à une des questions qui est souvent posée, hein. Les applications couvertes sont directement listées dans la documentation, aussi bien pour les vulnérabilités montées que la partie correctif. Donc évidemment, le scan de vulnérabilité verra les choses plus largement, donc il va vous remonter énormément de choses. Et du coup, la gestion des correctifs, elle, va être légèrement plus petite. La liste va être légèrement plus petite, puisqu'on ne peut pas non plus mettre à jour tous les applicatifs. Il y a des applicatifs qui ne se laissent pas mettre à jour automatiquement ou il faut le faire manuellement. La première étape, donc, c'est toujours la partie tout simplement d'activation. Donc, comment je vais activer mon produit, comment je vais activer ma solution. En tout cas, ce module-là. On rappelle évidemment dans la doc les différents bundles et à quoi c'est rattaché et surtout les versions d'agents qu'il vous faut. Donc attention à ces versions-là. Normalement, si vous êtes sur la partie cloud, vous êtes toujours à jour. Et pour activer, tout simplement, je vais retourner sur la partie ordinateur ici. Et donc, je vais, vu qu'on est encore sur les Windows postes de travail, je vais regarder maintenant un groupe qui s'appelle Windows postes de travail. Ici, j'ai la possibilité de voir à travers ce petit icône-là si le scan est déjà présent. Ce fameux icône qui est ici avec un bouclier cassé, avec un petit pansement dessus. Du coup, ici, on voit bien la partie activée. Et puis ici, je vais pouvoir sélectionner mes machines, ordinateur. Et dans Solutions, je vais dire activer la gestion des vulnérabilités. Voilà. On se retrouve exactement sur le même écran qui est dans la documentation avec la petite licence floutée. Donc, à partir de là, vous avez la gestion automatisée des correctifs. Donc, il va vous mettre la politique par défaut. Et à ce moment-là, quand je vais faire activer, il va donner l'ordre au produit de s'activer. Donc, je ne le fais pas parce que ce n'est pas ces machines-là que je voudrais activer. Mais une fois que c'est fait, eh bien, vous vous retrouvez avec ce petit icône, comme c'est expliqué tout à l'heure, ici. Une fois que vous avez activé le scan de vérité, il va y avoir un premier scan qui va s'enclencher. On va rentrer ici et il va commencer à vous remonter toutes les failles CVE identifiées. En fonction de ça, vous avez évidemment des onglets, des colonnes pardon, qui sont à définir. Hein. Vous pouvez définir vos propres colonnes ou les colonnes prédéfinies. Donc, on va tout de suite voir les machines qui sont le plus impactées par cette problématique, en tout cas par la vulnérabilité remontée. Et il va vous remonter tout ce qui est affecté à des failles CVE. Évidemment, là, quand on regarde comme ça, on se dit que c'est pratiquement illisible. Effectivement, c'est compliqué de le lire. Vous avez ici un petit filtre, ici, un petit on va dire, regroupement qui est assez efficace. Vous pouvez regrouper par faille CVE. Bon, bah là, forcément, j'en ai beaucoup. Ou je peux aussi regrouper par nom d'application. Déjà, on commence à avoir une visibilité un peu plus claire. À partir de là, vous avez vu que, en fait, au final, c'est surtout Windows 10 Pro sur un appareil concerné ici qui est le plus touché parce qu'il y a 141 vulnérabilités remontées. Bon, ben là, on sait que cette machine-là, potentiellement, c'est critique. Donc après, je peux afficher les vulnérabilités et finalement voir cette machine qui est ici. On voit bien que c'est une desktop qui a été mise en place pour justement avoir ces vulnérabilités-là. Donc, à partir de là, j'ai scanné, je sais ce qui se passe. Donc là, on est déjà dans un aspect visibilité. C'est très important d'avoir cette visibilité-là, d'avoir conscience que à des endroits bien précis, j'ai des vulnérabilités possibles et surtout des exploitations possibles. Là, on voit le Edge, on voit le Windows, là, on voit le Notepad++, etc. Alors, donc, à partir de là, maintenant, je vais commencer à travailler sur ces parties-là. Soit je vais essayer d'avoir uniquement une version rapport de mes vulnérabilités. Vous voyez, je peux avoir un type de rapport comme ça pour savoir
et voir après coup comment je peux identifier et corriger ça, ou alors je peux faire les actions immédiates. Avant de passer sur la partie gestion des correctifs, je vais rentrer dans la partie politique. Parce qu'évidemment, on peut aussi configurer, comme c'était indiqué dans le print ici, hein, on peut configurer nous-mêmes, on va dire, la politique de notre scan de vérité de cette fonctionnalité-là. Donc, quand je vais aller dans les nouvelles politiques, je vais aller dans les paramètres et ici, dans les command features, je vais pouvoir facilement avoir la gestion des vérités des correctifs. Donc, même si vous avez activé le produit déjà sur une machine, vous pouvez à tout moment l'activer, désactiver, vous pouvez vous amuser avec, en tout cas, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi activer la gestion des correctifs automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire activer la gestion des correctifs automatique? Une faille est relevée par le scan de vulnérabilité, le gestion des correctifs peut corriger en mettant à jour la solution, eh bien, il va le faire automatiquement. Donc ça vous implique de faire attention quand même quand vous êtes sur cet aspect-là, de faire attention parce que sinon, si vous avez des applicatifs bien précis, si vous avez des versions que vous voulez garder, etc., bon, bah là, la gestion automatique des correctifs peut être un peu compliquée. Évidemment, quand on va parler gestion de correctifs d'application, vous avez vu que ça va dégriser le menu qui est juste en dessous. Et là, vous pouvez jouer aussi sur des applicatifs bien précis. Vous pouvez dire, bah moi, je veux appliquer des correctifs uniquement sur les applications autorisées. Et donc, les applications autorisées sont là. Vous avez la liste des applications autorisées. Par exemple, vous dites, bah moi, je n'ai pas de point critique par rapport à Mozilla, pas de problème. Par rapport à Edge, pas de problème, etc., etc. Ensuite, en dessous, vous avez l'option de redémarrage de l'ordinateur. Et un point important, vous avez le planificateur de gestion de vulnérabilité. Alors, le planificateur de gestion de vulnérabilité et des correctifs, c'est tout simplement une plage horaire. Une plage horaire, c'est-à-dire que vous pouvez dire que bah, je vais le faire tous les lundis matin. Tous les lundis matin, je veux qu'il scanne et qu'il corrige si vous avez mis ça en automatique. Donc, vous pouvez mettre l'heure de début, évidemment l'heure de fin. Ce n'est pas un scan quotidien, enfin, ce n'est pas un scan qui va se faire pendant toute cette plage horaire. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de vous dire, OK, vous voulez nous ouvrir un créneau de scan, vous ouvrir un créneau de scan. Donc ici, vous allez mettre peut-être de 8h à 10h, ou à 11h peut-être, allez, que le matin, on va dire. Et donc tous les lundis, de 8h à 11h, dès que la machine va être disponible, le scan va se lancer et l'information va remonter sur la console. C'est-à-dire, si la machine est éteinte de 8h à 11h le lundi, eh bien, le scan ne se fera plus. Il y a un seul scan fait dans la journée, tous les 24 heures. Il y a un seul scan. Donc, si vous mettez le lundi, mercredi, vendredi, eh bien, du coup, le lundi, mercredi, vendredi, dans cette plage horaire, il fera au moins un scan. Il fera un seul scan et il vous remontera les différentes vulnérabilités. Donc, ce n'est pas. Systématiquement, dès que vous mettez cette plage horaire, il va scanner 10 fois la machine. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un scan, c'est quand même quelque chose qui va tourner sur votre machine, qui va vous consommer un peu de RAM. Et on reste toujours dans notre principe EZ de ne pas vouloir systématiquement ralentir vos machines, etc. Donc, on essaye de limiter les scans de vulnérabilité pour éviter aussi de ralentir vos utilisateurs. Donc, une fois que vous avez préconfiguré, configuré features, hein, votre fonctionnalité. Là, ça y est, vous pouvez maintenant commencer à travailler, comme je l'ai montré tout à l'heure, sur la partie vulnérabilité, le scan. Je vais m'arrêter là 2 secondes, comme ça je réponds aux questions. Je vais prendre la question de. Nous partageons certaines. Ok. Je vais prendre la question de Lionel. Si la gestion de PM est faite via un produit RMM, quel est l'impact d'utilisation conjointe ou séparément? Bah, du coup, c'est conjoint finalement, hein, parce que du coup, si vous faites un scan avec un outil et un autre, bah, les scans vont se lancer et vont remonter de chacun de leur côté les informations. Et si vous faites du correctif d'un côté ou de l'autre, bah, finalement, si vous avez corrigé par reset ou si vous avez corrigé par un outil tierce, bah, la finalité, c'est que c'est corrigé. Donc, lui, au prochain scan, dira, bah, c'est bon. La vulnérabilité n'est plus présente. Quel est le taux moyen d'IOS lors de ce scan CPU 10, histoire de ne pas le lancer sur toutes les machines? Là, du coup, Nicolas, le taux moyen, je ne l'ai pas précisément. Ça dépend de votre machine, ça dépend aussi du nombre d'applicatifs qu'il y a dessus, ça dépend de plusieurs variables.
La seule chose, c'est que les clients qui l'ont déjà testé, on n'a pas eu de retour au support, comme quoi il y a eu un ralentissement ou une surconsommation. Mais ça répond aussi à votre question par le sens de vous dire, bah, vous voyez, vous pouvez gérer votre propre plage de scan. Une des meilleures plages, c'est entre 12h et 13h ou 13h et 14h, puisqu'on sait que les personnes vont aller manger et que dans la journée, ils n'éteignent pas leur machine systématiquement. Donc, c'est intéressant de peut-être mettre cette plage-là, peut-être pas tous les jours, peut-être le lundi et le vendredi. Vous conseillez combien de machines à la fois, du coup, une politique? Chaque machine est indépendante, donc vous pouvez faire une politique globale sur tout votre parc pour vous assurer que c'est bien géré. Comme ça, vous avez l'information qui vous remonte tel jour. Vous avez votre propre routine pour savoir est-ce que vous faites le correctif de façon plutôt automatique ou un correctif de façon plutôt manuelle parce que vous voulez gérer ces correctifs-là. Donc voilà, le scan rapide, hein, vous avez vu, scan de vulnérabilité, il me remonte du Notepad, du VMware. Évidemment, du Microsoft Windows 10. Maintenant, je vais commencer à me dire, bon, bah, très bien, super, il y a super, non, pas forcément super, mais très bien, j'ai de la vulnérabilité, j'ai des failles, comme partout, hein, c'est évident, j'en suis conscient, je fais des actions correctives ou pas, mais en tout cas, j'ai cette visibilité-là. Maintenant, dans la gestion des correctifs, eh ben, du coup, je vais me retrouver ici avec dans les applicatifs qui sont gérés par la gestion des correctifs. Je vais cibler tout de suite un en particulier. Vous avez vu que dans le scan de vulnérabilité, j'avais la possibilité d'avoir, enfin, j'avais la visibilité d'avoir des problématiques sur Microsoft Windows, sur un Windows. Le gestion des correctifs, évidemment, ne fait pas de mise à jour de l'OS, surtout des mises à jour profondes. Donc là-dessus, soit vous faites votre mise à jour de façon manuelle, soit vous demandez à l'outil de le mettre à jour s'il n'est pas à jour. En tout cas, EZ vous remonte aussi que votre système d'exploitation n'est pas à jour. En tout cas, il lui manque des correctifs. Ou alors, évidemment, vous faites un plan de mise à jour de vos différents OS qui sont faillés. Alors, comment bloquer les ports des machines dans la partie administration de EZ ainsi que certains sites web comme le YouTube? Alors, du coup, utilisateur inconnu. Ça, je vous inviterai à contacter le support technique pour ça, puisque du coup, ça, c'est pas le lieu et le but de notre Webex. Donc, n'hésitez pas à contacter le support technique pour leur poser la question et qu'ils vous donnent les bonnes procédures pour le faire. Le scan détecte-t-il seulement les applications installées et visibles dans la liste paramètres application Windows ou bien aussi détecter des applications dans le contexte utilisateur sans droit admin nécessaire, voire même des applications portables dans des dossiers. Bah, en fait, ça va dépendre, encore une fois, utilisateur inconnu, ça va dépendre du moment où le scan va se lancer. Si au moment où le scan est lancé, vous avez un applicatif portable dessus, et ben forcément, il va vous le remonter puisqu'il est en train de le scanner. Maintenant, si c'est au cours de la journée où le scan n'est pas fait, bah, du coup, il ne pourra pas le voir. Lors du déploiement des corrections, est-ce que le système possède un cache ou est-ce que tous les postes impactés vont télécharger des correctifs sur Internet? Y a-t-il des serveurs précis? Alors, là-dessus, la réponse, ça va être surtout la partie, comme ça va être indiqué dans la partie aide, hein, tout simplement. Quand je vais aller ici, vous avez, pardon, je me suis trompé de. Hop là, dans la gestion des correctifs, quand je vais aller ici, vous voyez, on va vous parler du EZ Bridge utilisateur. Donc, le bridge, hein, c'est le fameux. Proxy, hein, le fameux serveur relais qui fait de la mise en cache justement. Et donc, vous allez pouvoir le configurer pour que vos produits puissent aller chercher les mages des applicatifs et les déposer en mise en cache. Donc, ça va vous faire gagner comme ça certaines bandes passantes. Parce qu'effectivement, si vous lancez un correctif sur l'ensemble de vos machines et qu'ils vont tous aller chercher le correctif sur Internet, ça peut, si vous avez beaucoup de machines, ça peut vous poser problème. Donc, je reviens sur la presse et puis je reprendrai les questions après, qui sont très intéressantes. Gestion des correctifs. Donc là, j'ai mon listage des gestions des correctifs. Donc, je sais les applications que EZ, en tout cas, va aider à corriger. Je vais regarder, là, j'ai la Windows VAPM ici, avec un Notepad++, où j'ai un Edge ici sur la desktop N495. La chose que je vais faire, je vais cliquer sur l'aperçu, je vais voir déjà si la machine. Bah déjà, est-ce qu'elle remonte? Bon, pour vous, je pense qu'il n'y a pas de problème, les machines remonteront systématiquement. Mais en tout cas, là, ici, il faut que je m'assure que ma machine est bien en train de remonter. Donc, je vois heure de la dernière connexion, il y a 8 minutes. Donc, ça me paraît cohérent. Donc, là, ce que je vais faire, je vais demander, j'étais en train de vérifier ça, je vais demander à mon correctif de mettre à jour
le Notepad++, en tout cas de corriger, de passer de la 8.5.6 à la 8.5.7. Ici, je vais juste faire action, mettre à jour. Voilà, correctif de l'application planifiée. Donc, il a planifié, donc il attend maintenant que la machine recommunique avec la console pour récupérer l'ordre. Je vais juste revérifier le nom de ma machine. Hop là, je suis correctif. Je vais vérifier le nom de ma machine. On avait dit que c'était la W10VAPM. Je vais retourner ici. La W10VAPM. Elle est là. Donc, je vais faire un appel de mise en éveil. Ici. Voilà. Et on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu pour voir comment ça va se passer. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'application du correctif. Sinon, je peux aussi tout cliquer, faire action, mettre à jour. Donc, là, voilà, je peux très facilement, à travers la console d'administration, faire ce fameux gestion des correctifs. Alors, en attendant, on va répondre aux questions. Comment bloquer? Non, ça, c'est possible dans les aides protect, dans les politiques. Du coup, merci Clément d'avoir répondu à la question. Effectivement, ça fait partie d'un autre module. En tout cas, EZ Endpoint est capable de faire ce qui a été demandé par utilisateur inconnu. Je n'ai pas bien compris. Je pensais que le patch avait pour rôle de mettre à jour le logiciel sur le poste vulnérable. Par exemple, EZ ne va pas mettre à jour Notepad++. Alors si, voilà, comme vous l'avez vu, EZ va mettre à jour le Notepad++. Parce qu'encore une fois, on sépare bien les deux entre un scan qui va vous remonter les informations et vous donner une visibilité sur les problématiques que vous pouvez avoir sur votre parc en termes de failles CVE, en tout cas en termes d'exploitation possible. Et le deuxième, le gestion des correctifs qui va lui faire la mise à jour et qui va vous accompagner pour faire la mise à jour toujours dans la limite de sa liste de prise en charge qui est ici. Voilà. Donc, elle est assez large hein, quand on la voit, il y a beaucoup de choses. Voilà. Nous ne voyons pas bien le tableau. En tout cas, le tableau, j'imagine que c'est le tableau des applicatifs. À ce moment-là, je ne vais pas forcément vous l'agrandir parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais encore une fois, c'est plutôt d'aller sur le help et d'avoir justement accès à cette documentation. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien directement sur le chat. Comme ça, vous avez le fameux lien. Donc là, on continue sur les questions. Voilà. Jean-François, les scans de vulnérabilité sont uniquement basés sur les CVE ou alors aussi sur la détection des versions d'appli pas à jour? Alors, non, ce n'est pas sur les applications pas à jour, parce qu'une application pas à jour, si elle n'a pas de faille potentielle, il n'y a pas forcément d'intérêt de vous le remonter. On n'est pas en train de vous dire il faut absolument mettre à jour vos applicatifs, puisque finalement, vous pouvez avoir un applicatif qui est une version antérieure, qui lui n'a aucune faille de CVE possible, alors que la version peut-être un peu plus évoluée, en tout cas mise à jour, aura potentiellement une faille CVE. Donc, on n'est pas sur… On ne se base pas sur la version de l'application et qu'elle est obsolète ou pas. On se base uniquement sur la sécurité. Donc, si l'application n'est pas à jour, mais elle n'a aucune faille CVE, on ne va pas vous le remonter. Clément, oui, ça restait là avec une brique patch. Peut-on voir à partir de cette console cloud? Console cloud, la partie AV et les postes qu'on subit une attaque virale. Oui, ça restait avec Protect. Donc, ça, effectivement. Mehdi, c'est une fonctionnalité que nous avions depuis fin 2020. Je suis ravi enfin qu'EZ ait intégré cette fonctionnalité Patch Management. Effectivement, tant mieux. C'est le but hein, d'EZ hein, de toujours avoir aussi les demandes et les attentes de fonctionnalité de nos différents clients. Et donc après, voilà, vous met en place les éléments. Donc moi, je vais faire un petit coup de rafraîchissement pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on a effectivement le Notepad++ qui a été mis à jour, et là on voit bien que c'est sur une autre version, sur une autre machine qui n'a pas été mis à jour. Donc là, le correctif est passé, donc tout va bien. La machine VAPM n'a plus on va dire la version obsolète de son Notepad++. Donc après, je peux aussi retourner sur VAPM, aller sur les applications installées. Et donc là, quand on va aller voir sur le Notepad++, on va aller voir les versions. On peut aussi constater les versions ici. Et est-ce qu'on est capable de mettre à jour ou pas? En tout cas, voilà, vous avez ce fameux suivi de la machine. Alors, d'où vient la base de données des 35 000 logiciels pris en charge? J'imagine que de nombreux outils Patch Manager utilisent une même base. L'idée de ma question est de comprendre
qui l'a fait évoluer, avec quelle politique et les freins de l'intégration nouvelle haïtienne dans la liste. Alors, utilisateur inconnu, ah, Florent, pardon. Bah voilà, maintenant on a votre prénom, donc tant mieux. Du coup, Florent, la question est bonne. Effectivement, ce n'est pas EZ qui va mettre à jour cette liste et qui va gérer cette liste-là, parce que évidemment, c'est un métier à part entière d'avoir une gestion quotidienne de savoir quelles sont les failles sur tel logiciel et quelle version, etc. Donc, on s'appuie sur la liste de OPSWAT, OPSWAT, qui est aussi sollicitée par d'autres éditeurs. Donc, en fait, on s'appuie sur quelque chose qui est déjà suivi et qui a déjà fait ses preuves. Et la seule chose que nous, on a développée par EZ, hein, c'est justement cette façon de l'intégrer dans notre console et de pousser par les agents la récupération des packages et d'aller mettre à jour vos différentes applications. Oui, nous l'avions avec notre ancienne solution Endpoint, c'était vraiment un module qui manquait côté EZ. Effectivement, du coup, Mehdi, hein, le module a souvent été demandé par nos différents clients. EZ l'avait bien compris que c'était important. Mais encore une fois, EZ ne va pas faire les choses pour les faire, va surtout mettre en place la fonctionnalité une fois qu'elle est viable, fonctionnelle et elle va répondre totalement aux besoins de nos clients. Alors, Sarah, je confirme, j'ai la même manip que vous pour mettre à jour Notepad++ et c'est OK. Et ben voilà, en plus Sarah a fait le test en live. Tant mieux que ça marche. C'est toujours comme ça quand on fait du live, il y a une chance sur deux que ça marche pas, mais là ça fonctionne donc je suis content. Et puis évidemment c'est déjà une solution qui est déjà approuvée et testée, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, on travaille beaucoup sur le fait de pouvoir vous aider à avoir une bonne vision des choses. Pareil, hein, vous pouvez avoir aussi la gravité des différentes failles CVE, qui, à mon sens, une des plus importantes serait celle-là. Évidemment, on met à jour autrement votre système d'exploitation, c'est différent, mais voilà, les failles par les OS sont très importantes à savoir et à avoir. On ne va pas tous les jours checker est-ce que mon 22H2 10.0, etc., a des failles CVE. On sait que, y a des failles CVE, on en est conscient, est-ce qu'on peut le mettre à jour ou pas? Ça, c'est important. Vivement la disponibilité de cette fonctionnalité sur le serveur on-prem comme le nôtre. Oui, alors effectivement, maintenant, on se sent un peu, pour les utilisateurs on-prem, en mode, ah, il nous manque quelque chose. Mais voilà, en tout cas, la fonctionnalité existe bien sur le cloud. Elle répond aux besoins avec ces deux modules bien séparés et que je trouve très cohérent de mon aspect technique, hein. Je trouve ça très cohérent d'avoir un scan pour pouvoir constater et d'avoir une possibilité de gestion de correctif possible ou de le faire plutôt manuellement ou de le faire par des outils tierces. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour, comme disait Nicolas. Nico, il n'y a pas de particularité plus là-dessus, hein. J'ai fait le tour là-dessus. Je vous ai donné les différentes recommandations aussi par rapport au scan, par rapport aux plages horaires. Aussi, vous avez la documentation qui est plutôt claire là-dessus et qui vous aide sur cette partie-là. Comme vous voyez, hein, c'est un module. Mais c'est le module qui va un petit peu faire évoluer votre sécurité, déjà encore une fois par le constat et par la correction possible. Est-il possible que l'utilisateur reçoive une notification avant sa mise à jour à Apple System si je mets à jour son système et qu'il se prend un redémarrage, ce n'est pas top. Alors là-dessus, effectivement, la mise à jour, mais comme tout applicatif, hein, il y a des applicatifs comme Notepad++ ou comme les Office qui vont vous prévenir. Là, c'est plutôt côté applicatif. Après, si vous mettez à jour l'OS, bah, c'est différent puisque vous avez une autre méthodologie pour mettre à jour l'OS. Et il y a les redémarrages dits sauvages sont un peu différents. Mehdi, je me doute, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Benoît et Benjamin lors de notre changement de solution Endpoint pour EZ. Bravo à toutes les équipes d'EZ et merci. Bah super. Du coup, encore une fois, vous voyez, l'évolution de nos produits et la façon qu'on est en train d'évoluer fait qu'on vient fermer cette fameuse bulle cyber pour que vous ayez vraiment une visibilité complète avec nos produits et de là aussi, après, à avoir les outils comme EDR, comme les Sandboxing Cloud, etc. Tout ça vous permet d'avoir un panel de protection en restant toujours chez nous, chez le même éditeur.
Et du coup, on a a priori un cadeau de Clément pour un autre utilisateur. On peut toujours tricher un peu en utilisant les tâches clients avec des lignes commandes PowerShell, genre voilà. Et ben voilà. C'est ce qui est très sympa dans ces WebEx-là, c'est on peut s'appuyer sur vos différentes expériences pour vous passer des messages. Il faudrait même qu'on fasse un forum comme ça. Ça peut être très, très intéressant aussi de vous passer des tips. Entre vous, ça peut être très sympa aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le scan de vulnérabilité, sur la gestion des correctifs, d'autres questions possibles qui vous viennent par rapport à ça? En tout cas, vraiment, je vous invite à le tester. Je vous invite vraiment. Peut-on forcer un scan de vulnérabilité manuellement? Alors, pas encore, Lionel. C'est une des questions qui est posée, effectivement. Vous ne pouvez pas encore faire un scan de vulnérabilité manuellement. Ça va être prévu prochainement, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est fait là nativement. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on s'est concentré sur le scan quotidien ou le scan planifié que vous faites au fur et à mesure, mais vous ne pouvez pas le lancer. Alors, c'est une de mes questions. Peut-on passer la commande personnalisée ou des arguments à une install, parfois avec une image où il y a des petites tâches additionnelles? Du coup, Florent, en fait, là, après, c'est plutôt utiliser notre agent et exécuter une commande. Vous pouvez, à partir de l'agent, exécuter un script particulier pour lui passer d'autres commandes. Et au moment de la mise à jour manuelle que vous faites par script de votre applicatif, vous pouvez passer d'autres arguments. Et donc, utiliser un script pour le faire, comme ça a été aussi partagé par Clément juste avant. Donc, vous pouvez utiliser l'agent pour pouvoir faire ça, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on appelle des tâches clients, où là, vous lui demandez eh ben, tout simplement d'exécuter une commande. Voilà, vous exécutez une commande, c'est tout simple. Pareil, dans le help, vous allez avoir la démarche pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai fait le tour et là où j'en étais, c'était de vous dire de tester la solution. Là, Sarah l'a fait en live, vous avez vu que ça lui a permis de corriger son Notepad++. Évidemment, quand je vous dis tester la solution, c'est pas forcément installer des applicatifs dits potentiellement faillés pour pouvoir voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça, la solution fonctionne, mais c'est intéressant de la tester dans le sens où d'avoir un scan de votre parc, de savoir quelles sont vos failles potentielles, vos failles en tout cas sur votre parc, hein, tout simplement en regroupant, pardon, pas celui-là, mais en regroupant par application. C'est très intéressant d'avoir cette vision-là et puis après de faire les actions derrière. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, je vous invite vraiment moi aussi à vous rapprocher de votre responsable, enfin de votre partenaire ou d'autres, ou le moyen que vous avez de nous contacter pour avoir une licence d'essai et de tester cette partie-là qui fait encore une fois partie intégrante de votre sécurité au sein de votre parc. Alors, du coup, est-ce que des rapports sont générables avec les nouvelles infos du module patch et Vuln? Oui. Alors, les rapports sont générables, oui. On n'a pas encore fait les rapports prédéfinis comme on a ici. Hein. Ça va arriver. Par contre, voilà, vous pouvez tout à fait créer vos propres modèles de rapports tout simplement en activant la catégorie ordinateur ici. Et puis, du coup, alors, hop, là, je vais mettre afficher la table, données, hop, ajouter une colonne. Hop, et là, vous voyez, j'ai juste à faire vuln. Voilà. Et vous avez toutes les variables du scan. Toutes les variables de vulnérabilité. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir vos rapports et de pouvoir les mettre soit dans votre dashboard, soit vous les recevoir par mail, etc. Enfin, vous avez compris, hein, c'est les rapports que vous pouvez planifier et recevoir ou afficher dans la console d'administration. Du coup, Nicolas, il a fait le. Ça, c'est top, c'est le débrief de ça. Enfin, en tout cas, la licence, les bundles, etc. C'est important d'avoir cette notion des bundles. Pour savoir quel bundle permet cette option-là, puisque c'est une option, encore une fois, hein, c'est une fonctionnalité supplémentaire de ce que vous avez déjà. Il n'y a pas d'installation supplémentaire à faire, vous l'avez vu, je vais juste le répéter parce que ça fait très peur à chaque fois, il n'y a pas d'installation supplémentaire. Si vous êtes déjà dans l'écosystème EZ, vous avez vu que tout simplement, il vous suffit d'aller dans Solutions et activer le gestion de vulnérabilité. Il est
on va dire, pré-intégrée dans votre produit. Évidemment, sous condition d'avoir les bonnes versions d'agent et de endpoint. Du coup, il est 10h50, si je ne me trompe pas. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, bah, on se laisse le temps d'y répondre aussi. Si vous avez voilà, d'autres. C'est actif pour les serveurs. Yannick, non, pas encore. Ce n'est pas encore pour les serveurs. Là, on est vraiment sur les Windows postes de travail. C'est encore une fois dans la roadmap. Hein, ça arrivera incessamment sous peu aussi. Oui, j'adore ce smiley. Effectivement, ce n'est pas encore là, mais ça arrivera. Ça, on peut récupérer l'enregistrement. Oui, il vous sera envoyé dans le lien pour dire que vous êtes content du Webex, l'enquête de satisfaction, et je crois qu'à l'intérieur, vous avez aussi le lien pour pouvoir récupérer la vidéo. Et j'espère que vous êtes content de ce Webex. Lionel, est-ce qu'on peut activer ou gérer le module directement sur le endpoint, par exemple, avec un remplacement de stratégie? Alors, c'est pas possible puisque vous avez vu que c'est le command features, donc vous pouvez pas le faire directement par le produit. Il faut le faire à travers la console. Et je vous dirais, enfin, je vous tue, enfin, bref, peu importe, je tutoie beaucoup. En gros, Lionel, je te dirais aussi l'activer directement sur le produit. La question qu'on se pose après, c'est comment il va te remonter les vulnérabilités. Les vulnérabilités, il ne va pas te les remettre dans un fichier ou un truc comme ça. Forcément, il faut que la console soit derrière pour pouvoir récupérer l'information et te la retranscrire derrière. Voilà. Eh ben, je vais laisser mon collègue Nico de faire la. Ok, je comprends que c'est gérable uniquement depuis la console, non visible ou activable depuis l'endpoint. C'est ça, Lionel, exactement. On est en plein dedans. Nico, je te laisse faire la conclusion. Je fais Le jamais les mot de la conclusions, fin, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas les mots de t'as la fait le fin. gros du travail, donc c'est la base. Je vous redonne les coordonnées encore une fois. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez des compléments d'infos à tout ce que Grégory a pu dire. Je rebondis sur ce qu'a demandé Sarah. Oui, vous recevrez bien un lien qui vous permet de récupérer l'enregistrement de la présentation. Et n'hésitez vraiment pas, s'il y a des questions, quelles qu'elles soient, de façon complémentaire ou pour tester la solution, n'hésitez pas à écrire aux deux adresses mail que je vous ai envoyées et puis l'adresse mail support que Greg vous a redonné aussi, s'il y a des questions derrière plus spécifiques techniquement par rapport à l'intégration. Et oui, je vous le reconfirme, Bertrand, aujourd'hui uniquement sur console cloud. Et du coup, je rajoute aussi, hein, les équipes avant-vente peuvent être aussi sollicitées pour vous présenter, au-delà d'un Webex, hein, peut-être un peu plus précisément, la solution. N'hésitez pas à solliciter les équipes internes pour, si vous avez besoin d'avoir une présentation spécifique ou un besoin spécifique sur ce module-là. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'être restés pour l'ensemble de la présentation. Merci aussi pour vos questions. C'est toujours plus sympa quand il y a un peu d'activité et qu'on n'est pas simplement sur un long monologue. Merci pour ça. C'est Merci beaucoup. agréable pour nous. Et je rajoute juste un petit mot. Merci Sarah aussi pour les différents tests qui ont été faits au fur et à mesure. Je le dis, Sarah ne travaille pas pour Reset. Elle a testé la solution en live et du coup, effectivement, ça fonctionne. Donc, merci aussi pour effectivement VLC, etc. Les applicatifs passeront. Et ben voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait, tu as fait ton bon mot de la fin. Ah, si, est-ce qu'une formation en ligne sera bientôt disponible? Alors, non, attends, il y a une question avant. Pardon, Charles, je vais passer sur la question de Nicolas avant. Auriez-vous les mêmes types de Webex sur EDR, XDR? Oui, alors, Nico, je te laisse répondre à Nicolas, du coup. Ouais, à la limite, sur ce sujet, on va plutôt, on a fait quelques Webex par le passé. Aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu de nouveaux Webex global sur la partie EDR XDR, mais on peut en proposer de façon personnalisée et dédiée. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter sur les deux adresses mail que je vous ai données et on pourra vous proposer éventuellement une présentation dédiée. Et sur la partie formation en ligne disponible, je vais me rapprocher de notre service marketing, voir si cela est prévu ou non. Pour le coup, j'ai pas d'infos.
Merci pour le partage. Effectivement, c'est prometteur. Sarah, nous sommes un vieux client des Z avec plaisir. Alors, je dirais pas vieux, mais un bon client des Z. Parce que vieux, on va pas appeler ça comme ça, mais un bon client des Z. Fidèle. Et puis après, on a fidèle. Exactement. Merci, Nico. Et puis, bah, merci à vous, en tout cas. Merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Ouais, excellente journée à tous.